OPT, le monde à portée de main. La parenthèse Ligue des Champions océanienne fermée. La Super League est de retour pour cette huitième journée du championnat élite de Calédonie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Stade Nouma Dele qui accueille deux nouvelles rencontres, donc ici même à Nouméa, avec dans quelques instants la Lanterne Rouge qui va défier l'AS Magenta et tenter de réaliser l'exploit, John. Et puis un nouveau derby à venir à 17h30 entre Tigaspor et entre l'AS Lossi et Tigaspor, puisque c'est bien l'AS Lossi qui accueillera Tiga ici même à Nouma Dele, le leader, donc Tiga qui sera encore à l'œuvre. Il y aura eu, John, un week-end off samedi dernier, hormis pour Yengen et le SNJ, où ça va aussi faire du bien, on l'espère, pour les organismes. Bonjour Romain, oui, c'est clair que ça va faire du bien pour les équipes qui se sont reposées. Maintenant, il va falloir faire attention à celles qui ont joué, Nejihu et puis Yengen. Donc elle va faire plutôt attention à essayer de jouer intelligemment cette rencontre, ces rencontres, en tout cas, si on a deux. On va voir justement les programmes, hein, de cette huitième journée avec, vous le voyez, des rencontres également sur les stades de Boeva, de Nassé, de La Roche, de Yoshida, Mondor, Dombea, Rwanono, Jeou, là aussi un sacré derby, hein, des îles du côté de Lifou, l'Horizon Passo qui accueille l'AS Kounye et puis Yengen Sport qui recevra l'AS Wedge. On va rentrer dans les matchs qui vous sont proposés aujourd'hui en direct sur la chaîne Pacific Plus et la FCF TV Web avec donc à l'instant, je le disais, la JS Baku qui va tenter eh bien d'obtenir ses premiers points d'un nul ou d'une victoire. John Baku qui a quand même enchaîné 7 défaites de rang et qui a un gros morceau avec l'AS Magenta aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que ça va être difficile pour la JS Baku, mais c'est bizarre parce que Baku, ça reste la plus mauvaise défense du championnat, donc elle est dernière. Mais Magenta, ça reste l'avant-dernière attaque du championnat quand même, avec 7 buts marqués. Voilà, exactement. On va aussi voir ce classement où justement, bah, tu en parlais, les buts pour, les buts contre. Et puis donc, eh bien cette attaque de Magenta qui va devoir briller un peu plus aussi cette saison avec uniquement 7 buts inscrits depuis le début du championnat. Alors que vous le voyez, Baku quand même a encaissé 22 buts, ce qui est quand même beaucoup. Et on va d'ailleurs passer aux compositions des deux formations avec, vous allez le voir, du côté de Baku. Et du côté de Magenta en tout cas, c'est un 3-4-3 mis en place par Pierre Wadjoka. Et puis du côté de Baku, on y reviendra après. Mais en tout cas, du côté de l'AS Magenta, le 3-4-3 est remis en place du côté de Wawes. Avec John, eh bien, donc, sur les côtés, là encore des postes importants avec Jean-Christophe Wadjoka, capitaine, et William Rocquad. Oui, ça va être pareil. Hein. Il a repris sa formation de départ parce qu'il a envie justement d'alimenter ce secteur offensif dont il a du mal justement à le développer. Et puis donc devant, on attend toujours ce but de Germain Ewegene. Je l'ai rencontré tout à l'heure sur l'avant-match dans les vestiaires. Il était motivé à l'idée d'inscrire aussi son premier but, mais surtout d'accompagner les siens vers la victoire qui serait donc forcément importante pour l'ASM. Alors que du côté de la JS Baku, Gilles Garcia qui sera absent aujourd'hui est suppléé par Jean-Marc Ounemois et on repasse sur une défense à 4 avec un 4-3-3, 4-5-1 mis 4-5 en place plutôt, oui, 4-3-3, oui. Par les nordistes. Alors on le voit aussi, Wilson Poimeno, le capitaine, qui remonte d'un cran par rapport à ce qu'on avait vu il y a 3 semaines. Wilson Poimeno qui aura un rôle important dans ces 30 jeux, John, avec Yuri Kiekawe chargé d'animer ces constructions nordistes. Et puis il y en a deux milieux quand même qui ont une tendance plutôt défensive, donc Léo Larouille et puis Yori Kiekawe. Donc ça va donner et puis l'arrivée aussi de Ludovic Wakalumune qui va donner justement une assise défensive plutôt renforcée.
Voilà les deux formations qui viennent de rentrer donc sur la pelouse du Stade Noumadélé. La JS Baku, vous le voyez, avec leur couleur traditionnelle rouge. Et puis donc Magenta qui évoluera en jaune et blanc aujourd'hui. Plutôt blanc et jaune. Voilà en tout cas pour cet avant-match. Et puis donc deux équipes, on le disait, en quête de points. Alors pour l'ASM, cinquième. Ils sont déjà donc à 8 points du leader Tiga, mais c'est surtout aussi ce trio, ce podium que l'on visera du côté de l'AS Magenta cette année sans vraiment de pression de résultat. Bah ça, c'est déjà un bel objectif pour Pierre Wajoka qui vient de prendre en main l'équipe de l'AS Magenta. C'est clair que son premier objectif, lui, il avait envie de jouer les premiers rôles. Mais après, petit à petit, il faut d'abord construire, trouver une cohésion, trouver des automatismes. Et puis, bah, ça va venir. Il faut attendre peut-être une deuxième année. Mais il peut le faire de toute façon cette année. Mais il faut beaucoup plus pour arriver à rivaliser avec Tiga Sport qu'on verra tout à l'heure. Et puis donc côté Bako, bah forcément ça va être compliqué cette année, mais il faut pas qu'ils lâchent les Nordistes, faut qu'ils y croient, faut qu'ils croient en leur espoir de maintien, parce que c'est vrai qu'ils sont finalement qu'à 4 points de Wedge. Ouais. Même avec zéro match gagné, Wedge c'est pareil, mais là eux ils n'ont pas de match nul, et Wedge a 4 matchs nuls, mais par contre ils sont à 4 points de Wedge, donc voilà, à l'image, donc les trois. Le trio arbitral avec Monsieur Pélissier au centre, assisté de Bruno Maroui et de Roger. Joe, les deux coachs qui se connaissent bien, Pierre Wadjoka d'un côté et puis Jean-Marc Ounemois, donc qui, je disais, supplée Gilles Garcia pour cette rencontre. Deux anciens internationaux, John, que tu connais bien. Oui, c'est vachement. Je ne sais pas comment dire ça, mais je suis content de voir des joueurs qui ont ma génération et qui maintenant prennent les rênes des équipes pour montrer et puis faire partager leur savoir du football. Allez, coup d'envoi imminent donc avec cette rencontre entre sudistes de Magenta et nordistes de la JS. La JS qui a un sacré challenge sur les rencontres qui restera à jouer, c'est d'aller chercher ce maintien, au moins cette place de 11e, synonyme de barrage, qui est occupée actuellement par l'AS Wedge et puis du côté de Magenta, donc on le disait à l'instant. Essayer de très vite recoller à ce trio de tête Tiga, Yangen Nejeou. On le disait, hein, le leader Tiga qui aura aussi, attention, un match délicat face à l'AS Lecce. Rien n'est joué dans ce Ah championnat non. pour le titre et cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Ils sont 6 à être prétendants. Coup d'envoi qui va être donné par Germain Ayewegene. Voilà, c'est parti avec Adj qui touche un premier ballon, lui qui fait aussi son retour. On l'avait. Là, on voit Jean-Christ qui est quand même un peu plus haut hein, que sur la formation donnée par Pierre Wajoka. Hatch qui va jouer plus bas. On va voir Parce que comment ça se Kamelhach, il positionne. se décale plus dans l'axe. Oui, c'est un On joueur le qui voit. rentre beaucoup hein, Voilà, là, pour laisser à la place. Alors, l'intérieur. on le voit, il est sur le côté droit là. Mais Certainement que l'espace et la profondeur va être prise par par Jean-Christ. Jean-Chris. Wajoka. Et on va suivre forcément aussi cette équipe de Bako qui, on le disait, a pris beaucoup de buts. Et puis Gilles Garcia aussi qui a appris à découvrir son groupe depuis un mois et demi. Et avec forcément des petits réglages à effectuer et ce retour à cette défense à 4. Oui, c'est une équipe qui difficile en fait de pouvoir coacher une équipe qui est dans cette situation, mais il le fait. Et puis j'espère que ça va sourire pour les garçons, les rouges, parce qu'ils le méritent. Ils ont toujours été niveau mentalement, ils sont arrivés toujours avec l'esprit positif sur le terrain. Et ça, je trouve ça, c'est vachement gratifiant. Voilà, on est ensemble en tout cas toute l'après-midi avec donc n'oubliez pas à 17h30 une belle affiche de cette journée de championnat. On voit Pierre Wadjoka à l'image. Entre donc l'AS Locy et Tiga Sport, la jeune équipe de Locy face au leader, ça sera également sur nos antennes. Et donc on va passer encore une belle après-midi de football ensemble avec Germain Ayewegene. Première accélération, Germain Ayewegene, le centre vers Hage, la frappe ratée. Et l'intervention aussi de Zico Poumali qui fait son apparition dans cette équipe de Bako, ancien gardien de l'AS Grand Nord, très bon gardien Zico Poumali. On le revoit là. Il s'est précipité sur son geste. Kamelhach, il a voulu la mettre un pointu. Et la relance avec Kenny Waitre, Jean-Chris Wadjoka, et c'est ces ballons en profondeur dont il va falloir se méfier côté Bako avec Germain Ayewegene. Très actif déjà dans ses premières secondes de jeu, le centre en une touche de
de Wadjoka, et c'est récupéré par Poimeno. Il va être important ce Wilson Poimeno pour tenir ses ballons et organiser ses phases de construction nordiste. Et puis aussi, bon, on s'attend quand même à avoir une équipe de Bako un peu plus défensive que son adversaire. Donc tenir ses ballons, John, ça va être important pour l'équipe de Jean-Marc Onaimois à l'image. C'est ça va être très difficile, surtout avec l'état du terrain. Là, on le voit, il a beaucoup plu. Le ballon ne fuse pas. On a l'impression qu'il freine même de temps en temps. Après, donc voilà, faut prendre tous les paramètres en compte. Le banc, un tout petit peu de vent, mais c'est surtout l'état du terrain. Yekaoué qui a trop tardé à récupérer avec, heureusement, belle intervention de Ludovic aussi, Wakanomune, qui est revenu. qu'on avait vu en début de saison et qui là, donc, est de retour dans le 11. Et qui trouve là d'ailleurs son attaquant, Daniel Tagawa, fils de Félix Tagawa. Alors, on l'a vu via l'OFC TV Web, c'était donc le week-end dernier, Yengen qui a été chercher, décrocher son billet pour la Ligue des Champions Océaniennes 2022. Et puis Yengen qui doit de suite, on va suivre cette action pour Mali impeccable. Yengen qui doit vite replonger dans le championnat avec donc cette rencontre Face à la S-Watch. face à la S-Watch, coup d'envoi 16h du côté de Yoshida. On vous tiendra forcément informé des scores qui nous arrivent durant cet après-midi. Ouais, et la S-Watch qui doit aussi chercher sa petite victoire, des points, parce qu'ils sont à 4 points de la JS Baco. Donc, l'heure est légale. Allez, Kenny Waitre. On voit un bloc un peu plus bas de Bako. Bako, oui, c'est un bloc bas qui va sûrement jouer en contre. Bah, c'est ce qu'ils peuvent faire pour l'instant. Ouais, je pense que c'est ce qui a dû être travaillé Ouais, hein, c'est par ça. Monsieur Gilles Garcia, qui nous suit depuis l'IFOU, Ça et bascule. son staff. Parce que forcément, quand on encaisse 22 buts en cette journée, bah, faut repartir sur des bases défensives solides. Et puis là, cette formation avec une ligne à 4, on a un peu plus de certitude que ces défenses qui alternent entre le 3 à 5 joueurs. Ouais, c'est une certaine, oui, et puis une stabilité. Et puis à 3, bah, c'est pas facile. Faut être Faut présent beaucoup tactiquement travailler. aussi. Voilà, faut beaucoup travailler. Et puis comme on a été habitué à le 4-4 derrière, pas changer comme ça pour une saison, essayer de mettre un nouveau schéma tactique. Alors l'équipe, elle est en difficulté. La C'est bien fait plus, ça. c'est ça. Et ça joue bien avec ce ballon un peu long. Dommage cette remise de Tagawa. C'était pour Wabealo. Ça, si se concentrent déjà sur l'animation défensive, qu'ils arrivent à enrayer toutes les attaques de l'adversaire. Déjà, ne pas prendre de but, c'est important. Ne pas perdre. Après, gagner des matchs, c'est autre chose. Mais déjà, ne pas prendre de but, ne pas perdre. C'est par là que viendra le salut de cette équipe de la JS Baco. Et puis aussi cette gestion de la profondeur et du jeu dans le dos de cette défense, John, Voilà. qui est importante. C'est très. Après, c'est dans la durée. À chaque fois, Bako, ils ont été bons au début. Enfin, bon, on dit qu'ils étaient en place. On va trouver cette constance défensive. C'est ça. Attention d'ailleurs avec Jean-Christophe Djoka, ce ballon et belle intervention de Siko Poumali qui relance vite avec David Pouya. Pouya avec Yekaoué. Lui aussi va être Ah, ça va va être un joueur avoir un rôle important. clé aussi Yorick Yekaoué pour stabiliser un peu ses phases. Qu'il soit bien à distance là, le Construction. défenseur latéral. Il... Et corner. Concédé par Laroui. On revoit Voilà. Wadjarwan. Là, sur le centre, c'est Laroui qui le prend. Mais derrière, là, on le voit, le défenseur latéral. Il faut trois quarts. Il ouvre un peu. Comme ça, il voit ce qui se passe derrière lui dans l'angle mort. Alors, pas de ramasseur de balles pour l'instant. Donc là encore, Ils ça sont en va. vacances. Et oui, c'est Tous les vacances vacances. scolaires. On salue tous les Tous vacanciers les qui nous vacanciers. regardent. Ouais. Et la Super League, elle n'est Pas en pas en vacances. vacances, n'est pas en congé. Et il va falloir engranger les points sur les deux week-ends aussi à venir. Vacances ou pas vacances.
Voilà, c'est ça. Et le La défense contrat, il y a c'est un ça. contrat intéressant. Il y a deux C'est contre cité un. sur Il faut deux. qu'il attaque son ballon Hop et qu'elle là. retourne Wadjoka. Mais il y avait peut-être une Une petite petite main quand même. mimine, hein, comme on dit. Petite main. Ouais, c'est là par contre, il faut pas qu'ils se jettent les joueurs de Bako. Un gros choc là. Et Tagawa qui peut relancer avec Yekawe, bien fait. Et on le voit, il y a du talent avec Tagawa. Tagawa qui part en 1 contre 1. Daniel Tagawa, c'est juste à côté. Quelle action pour Bako! Daniel Tagawa, qui est un joueur plein d'énergie sur le front de l'attaque. On va le Il va revoir. multiplier les appels et en tout cas là, c'est lui qui allume la première brèche. Quelle Ouais, action pour c'est Bako! bien, c'est qu'il a voulu s'appliquer pour frapper. Déjà, ça c'est une bonne chose. Après, il y a eu deux mondes autour. Il est lourd. Ouais, forcément, cette équipe de Bako qui va devoir trouver cet équilibre défensif, offensif. Ils ont trouvé la formule, il faut qu'ils continuent. Ils gardent une régularité sur ce qu'ils font. Alors voilà. À être en place défensivement, à être sur l'homme, à garder les distances entre eux et l'adversaire, entre leur partenaire. Et jouer simple surtout, cette simplicité dans le jeu. Ne pas compliquer parce que voilà, ça peut. Et attention. Jouer juste même les passes les plus simples, c'est les plus difficiles parfois à faire parce que on n'est pas assez concentré pour la faire, donc on fait une mauvaise passe. Voilà, ces petites passes là. Cette frappe très tendue. Alors, une petite info concernant le match de l'Horizon Passau et Cougnet. Alors, pour des raisons climatiques, Cougnet qui n'a pas pu atterrir ce matin. Ils repartent à 15h30, match décalé à 18h du côté de Marais. Donc, pour les Maréens et Maréennes qui nous suivent, qui sont à Nengoné, n'allez pas au stade de la Roche avant pour celles et ceux qui veulent assister au match. Oula, attention! Ouais, faute. Et donc, cette première minute de jeu, pour l'instant, un match plaisant et Plaisant. équilibré. Il y a une rigueur défensive du côté de la JS Baco. J'espère qu'ils vont continuer. Et puis l'important, justement, Ah. attention, j'allais en parler de Ludovic Wakanamune, qui du coup J'espère qu'il va pas prendre un jaune là-dessus. il fait faute. Mais il va être important, Pépé Wakanamune, Bien sûr. Mais après, il par faut son qu'il, expérience. d'une part, mais de deux, il faut qu'il montre l'exemple aussi. Dans son jeu, là, il a compliqué un peu. J'espère que ça va pas donner des idées aux autres. Donc à garder cette simplicité et cette efficacité, puis cette rigueur dans ses déplacements, dans les distances à avoir, que ce soit avec l'adversaire ou avec le partenaire. Et un coup franc intéressant pour Kamel Hadj. Et son pied droit, il est assez adroit avec son pied droit et sur coup de pied arrêté. Kamel Hadj, il faut se méfier côté Poumali. C'est Ouais, tiré au très bien, second tu poteau. payes. Oh, attention, il était pris le gardien de Bako. Alors je suis étonné que. On va revoir ça en replay parce qu'il me semble que Ludovic Wakanoune fait une passe à son gardien. C'est pas volontaire, c'est. Ouais, justement, c'est. On va revoir ça au ralenti tout à l'heure, voir si cette passe était volontaire ou donnée involontairement. Ce qui change la donne, hein, parce que sinon Ouais. ça aurait fait coup Coup franc franc indirect. direct dans la surface de réparation. Et ça Voilà. repart avec aussi quelques absences côté ASM, notamment celle de Makam. Martha Makam, qui n'est pas là donc aujourd'hui. Et on retrouve cette défense à 3, Wallon, Jimmy Wawonyi, Kenny Waitre. Hadj, encore lui. Obtient la touche. Alors, il y a forcément beaucoup moins de public que samedi dernier, enfin que lundi dernier ici même à Noumadélé. Mais tout doucement les gens qui devraient Là, on le venir au voit. stade. Ah, c'est la poitrine. Ouais, c'était la poitrine bien vue. Non mais c'est il a eu le geste qu'il fallait Ludovic Wakanumune puisque de la poitrine forcément c'était Ça pas passe. illicite.
Bien joué, les deux. Et bien parlé, hein, comme quoi la communication entre un gardien et les défenseurs est C'est très primordiale. très important. Surtout qu'il c'est sa zone, ça, au gardien. Il doit s'imposer, il doit montrer que c'est lui le patron dans sa boîte. Il renverse le jeu, c'est bien vu, avec Ah, mais c'est ça, une ils ont pression en tout gardé cas. leur distance, les distances sont bonnes. Donc il peut intervenir. Il est bien en place pour l'instant, Kwamel Poitili. Sur son Qu'on côté voit à l'écran, gauche. ouais. Et on voit Magenta qui n'arrive pas à trouver ses milieux, qui passe directement par les côtés. Vitreux avec Voilà, ça Wallonier. décale. Ouais, faut prendre le temps, Wallon. Passe d'un côté vers Voilà, à l'autre. chaque fois c'est enrayé, donc parfait. Et pour l'instant, C'est, ça défend bien ça côté défend bien. nordiste C'est avec. après pour l'animation offensive, mais qui joue simple. S'il joue simple, après. Voilà. En tout cas, Bako, quand on voit la compo, le 11 de départ, Johnny, ils ont vraiment de quoi faire, même techniquement. On voit que c'est des joueurs quand même qui savent tenir le Oui, il y a des ballon. capacités, il y a des qualités. C'est vrai que cette base défensive, il va falloir la trouver pour espérer exister dans le championnat. Parce qu'après, on sait qu'il y a du talent offensivement. Donc ça peut venir aussi au fil des rencontres. On voit cette belle accélération de Hadj sur le côté. Et à nouveau un coup franc excentré mais dangereux. Un peu moins excentré que tout à l'heure. Ah, ça a été une situation dangereuse aussi tout à l'heure pour Bako. On va voir, très C'est bien bien tiré tiré aussi. encore, la Et tête et voilà. l'ouverture du score. Allez, signé d'Ezekiel Taouvama. Ah, c'est dommage, ils étaient bien en place et puis ce coup franc excentré de trop dans ce premier quart d'heure et ça fait 1-0. Et oui, John, on l'avait vu tout à l'heure, une première alerte sur à peu près un coup franc tiré du même endroit. C'est ça. Et celui-là. Là, on le voit. Kamelach qui ajuste en rentrant. C'est bien tiré. Et Et cette c'est. tête, Voilà. impeccable, le timing d'Ezekiel Taouvama. Ça fait 1-0 pour Magenta déjà. Alors qu'on le disait, c'est malheureux puisque Bako était bien. Oui, mais il faut qu'ils continuent parce que sur les phases en mouvement, ils sont là. Défensivement, ils arrivent à faire basculer leur bloc correctement. Après, c'est sur deux coups de priorité. Ça, c'est autre chose. C'est un autre travail. Mais sur le jeu en mouvement, ils sont là. Le bloc, il se déplace bien. Et une belle base défensive. Après, il faut continuer de travailler par différents thèmes. Il y a ce thème en mouvement, il y a le thème à l'arrêt, sans ballon, avec ballon. Donc ça, c'est du travail. C'est pas sur 2 mois qu'on peut réussir à tout combler. Ouais, en tout cas, Gilles Garcia qui nous confiait avant cette rencontre du week-end qu'au niveau de l'état d'esprit, ces joueurs y étaient malgré ces défaites qui s'enchaînent. C'est là où c'est dur, hein, c'est que mentalement, voilà, cette défaite, faut les encaisser. Mais faut rien lâcher. Côté Bako. Après, si leur moteur c'est aussi prendre du plaisir, c'est vachement bien s'ils continuent de garder ce moteur-là parce que ça peut après donner l'envie de travailler, puis de s'améliorer, puis de progresser. Exactement, John, avec un ballon pour Pouya, récupéré par Magenta et Hadj. C'est bien fait avec Wadjoka. Une touche, c'est bien défendu de la part de Poitili. On voit un Kamel Hadj très axial. Et ça libère les espaces sur les côtés avec Wadjoka notamment côté droit et Rokwad là-bas côté gauche. Alors, non, c'est pas William Rokwad, il y a eu un changement de Il y a un dernière changement, ouais. minute avec la toupie. Que l'on retrouve la toupie qui prend un relais derrière. Wounier. Je trouve qu'il est joué quand même là. C'est Ouais, essayer attention. de. Pas trop Voilà, reculé c'est non bien. plus. Et voilà. Cadré et.
C'est les distances, ouais. Essayer de garder des distances plus proches. Ce qui permet justement à Bako de récupérer ce ballon. Et c'est bien fait de la part de Tagawa qui cherchait devant lui. Nolwenn Wabealo. Voilà, faut aller déclencher peut-être un pressing côté nordiste. Ah, ça va être dur parce qu'ils sont que tous les trois seulement. Ouais, voilà, il y a une ligne de trois qui a pas été éliminée. Ouais. Il en reste que 7. 7 contre 6. Et voilà. Et attention à ce ballon vers Germain et Wegené. Est-ce qu'il y a enjeu ou pas? Non, pas de enjeu. Et le beau retour de Ashley. Napoirapoué. On revoit. On demandait un position ah, il aurait pu il aurait pu jouer de face. Il faut qu'il apprenne à lever la tête, Germain. Voilà, la prise d'information. C'est prise peut-être là où il doit progresser encore le joueur, l'ancien joueur de Wedge. Dont on connaît les qualités intrinsèques. Attention. On va s'y récupérer avec cette tentative de Wajoka. Ouais. Heureusement pour Bako, là il y avait un déséquilibre. Parce que là, c'est pas une frappe pour inquiéter le gardien, ça. Et ça revient de l'autre côté avec Koulil. Heureusement qu'il a fait le mauvais choix, Jean-Christ. Parce que sinon, ça aurait été difficile pour Bako. Bien joué. Il fait beaucoup d'efforts défensifs. L'avant-centre Daniel Tagawa, c'est intéressant. Enfin, je pense qu'il y a faute sur lui. On va je vois pas où aller la faute sur. Il joue le ballon. Et oui, c'était l'inverse, monsieur. Et je sais pas. En tout cas, faute pour Magenta et surtout. Il se fait mal en plus. Ça te fait mal. Mais voilà, faut qu'il continue ainsi. Le numéro 9 des Rouges, parce que bah, il gêne sur cette défense. Ouais. Donc ouais, je comprends pas, mais allez, c'est parti. Et on repart côté gauche avec la toupie. Récupération de Wenehua avec Wakanomune. Pouya. Bien fait ça. Allez, faut la garder. Et quel renversement de jeu, dommage. L'idée était là. Quand même, l'idée est bonne, ouais. L'intention est bonne. Et Bako qui va pouvoir repartir de l'avant avec son gardien qui va certainement allonger. Faire monter un peu ce bloc, pas être trop bas comme on le disait. Oula, attention. Dégagement raté justement, mais heureusement une récupération. Wakanomune maintenant. Ah, ça passe avec David Pouya. Et c'est fait mal. Il reste à terre. L'attaquant. David Pouya qui se relève. Ah, il a pris un coup lui aussi dans le talon. Ça va aller pour l'attaquant nordiste. Donc ça repart. Pour Magenta. Le capitaine, donc Jean-Christ Wajoka. En forme, hein, en ce début de saison 2022, Jean-Christ. Sur son côté, là. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'AS Magenta. Sur les 7 buts marqués, il doit y en avoir 3 pour lui ou 4. On va vérifier ça, mais en tout cas, c'est surtout aussi son dynamisme et puis tous les kilomètres qu'il peut parcourir, la vitesse qu'il peut proposer sur son côté qui est très intéressante. Ah oui, il en fait des sillons sur Internet. Ah, il est à 2 buts, hein, Jean-Christ. À 2 buts, ben voilà. Sur 7. Je pensais 2 sur 7. Ah, Magenta qui a cette particularité de peu marquer et de peu encaisser également. C'est la meilleure défense. Ouais, mais c'est la plus faible attaque avec Bako. Avec Bako. Bako a 3 buts, eux ils en ont 4. 7. Donc 4 de plus.
On rappelle hein, que donc Pierre Wadjoka est arrivé à la tête de l'ASM cette saison. L'ancien joueur emblématique, forcément, Wawes et du staff d'Alain Bien Moisan. sûr. Oh. Daniel Tagawa, c'est à l'envers, mais c'est pas fini. Oh, ouais, Oh bah oui, et oui, un quand coup même. franc plus qu'intéressant pour la Ah JS. oui, grosse faute là. C'est vrai que. Et là où il a frappé ou c'est juste la frôlée qu'il fallait. Et donc, pour finir, John, effectivement, c'est une équipe aussi en reconstruction où clairement on n'a pas annoncé d'objectif comme à l'habitude côté Magenta qui, depuis 2 saisons, bah, doit reconstruire. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ouais. On est tout proche d'un penalty et intervention de l'arbitre assistant, l'arbitre central donc qui pose ce ballon. C'est vraiment à l'extrémité hein, de cette surface de réparation. Et là, il faut bonifier justement ça. C'est presque une balle de but maintenant. Les coups de pied arrêtés, c'est. Et c'est un C'est. mur à 3 ou à Un 3, 4, 4. À 3, 5. c'est assez Un 3, léger. c'est C'est un léger. choix. Et qui peuvent. Et il me semble que c'est David Pouya au ballon. Coup franc, très intéressant pour la JS. C'est bien parti! La parade et la tête qui suit derrière Et l'égalisation, voilà, elle est là. Wilson super, Poimeno. bien suivi, mais super coup franc de De David David Pouya. Pouya derrière le gardien. Et ben, il était sur son angle fermé. Et le faible public qui peut exulter. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde au stade Noumadélé. Mais on vous sait nombreux derrière vos écrans. Et Ah bravo, l'égalisation, ouais. elle est belle. Elle est belle, Elle est elle est pas signée du volée, ouais. capitaine. Parce qu'il y a Poimeno. eu juste l'action juste avant où Tagawa. Et alors, Ah, quel oh coup là, franc. franc. Bel arrêt. Et malheureusement, il n'est pas aidé par ses défenseurs. Par Là, contre, ils sont pour le quatre coup. rouges et il y en a que deux de jaunes qui. Trop dans les réactions. Il faut Oh. être présent pour Non, mais même suppléer son gardien. sur leur placement, ils sont tous au-dessus du mur. Au moins à la même hauteur du mur ou plus bas, mais pas devant le mur. Et on le sentait, hein, Bako qui était là, et bah, il prouve en tout cas par cette égalisation qu'aujourd'hui Ouais. bah, il va falloir Et ils sont en 4-1-4-1. les manœuvrer pour aller chercher cette victoire côté ASM. C'est ça, ils sont en 4-1-4-1. Un Avec partout! la rouille, un partout, avec la rouille en sentinelle. Et voilà. Et il faut qu'ils continuent. La rouille, ou la rouille? La rouille. La rouille. La rouille. Enfin, je crois qu'on dit la rouille. Mais tu peux dire la. Attention, on va suivre Poumali. On lui demandera si on dit Larouille ou Larouille. En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette sentinelle Léo Larouille, numéro 6, qui vraiment se contente de son rôle Il a défensif raison. et qui est intéressant dans cet équilibre, dans l'entrejeu. Ouais. Il a raison, c'est un relanceur pour ses défenseurs et puis c'est une couverture pour ses milieux qui sont plus hauts. Donc il est là pour sacrifier, pour enrayer les différentes attaques qui arrivent et puis derrière et pour donner la main pour relancer à ses défenseurs. Donc il le fait bien pour l'instant. Là il est sur Hadj. Là faut qu'il lâche Hadj et qu'il passe. Ouais, il le garde quand même, je crois qu'il. Ah, Magenta qui est quand même intéressant parce qu'ils prennent le temps dans ces phases justement Oui. offensives, mais c'est bien ce que fait Bako, c'est qu'ils empêchent cette progression à partir de leurs 30 derniers mètres. Il se Et jette on le voit pas, il se encore. jette pas. Avec ce bloc bas là qui est Ouais. intéressant, et c'est deux lignes de 4 et la sentinelle Laroui plus devant Tagawa. Jean-Marc Onemois, il peut être satisfait pour l'instant, hein, plus ou moins. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est la constance qui va jouer aussi aujourd'hui. Côté Bako, alors que Magenta, pour l'instant, essaye de manœuvrer. Il doit Ils n'arrivent faire. pas à créer un décalage. Ils tournent. Là, s'il est fait, mais après, il n'exploite pas. Bien. C'est bien vu en tout cas là pour le coup avec Aiwegené et la sortie de Poumali, et il y a eu un choc là entre le gardien et Aiwegené. On espère que ça va aller. Allez, il faut aller voir ce qui se passe là, parce qu'il a Très bon pris un ballon, là. coup. On revoit ce ralenti. Moi, je pense que ça va aller. Oui. J'espère que c'est pas son bras qui a été Non, non, écrasé non, par c'est le la. visage. Il tient son visage. Ah, de toute façon, hein, un gardien de but, c'est à quoi s'en tenir. C'est vrai qu'il Ah ne faut pas oui. avoir peur d'aller au charbon, comme on dit.
Il n'est pas à l'abri de se prendre des coups, pas mal placé là sur le visage. Ouais, notamment dans ces phases plus ou moins de 1 contre 1 où il faut aller très vite se jeter dans les pieds de l'attaquant et c'est non sans risque ce que font tous les gardiens. Hein. Ouais. Quelques niveaux que ce soit, en tout cas, Poumali là, il a fait son job, la tête de Guérin. Encore lui, Guérin, la tête de Laroui. Poimeno, Laroui, il faut laisser les avantages. Ouais, c'est clair. Je crois que. Je ne sais plus c'est quel match aussi où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de. Jeu stoppé. Action enrayée. Ah bah oui, ça y est, là ils auraient pu profiter de d'engager une contre-attaque, mais ça a été enrayé par l'arbitre. Ah, c'est donné pour donner ce ballon. Ouais, la faute. La pavie encore Henri Wapala. Le ballon est surtout à droite. Il pourrait permuter avec Henri Wadrawan. Il s'appelle Wapala en fait. Henri Wapala, c'est son prénom Wapala en marais. Mais c'est Henri Wadrawan, c'est ça. Henri Wadrawan, numéro 20, avec cette absence aussi côté Magenta. Jean-Philippe Saïko. Et puis, il y a aussi des retours qui vont arriver avec Jean-Brice. Wadrayako, qui s'est marié, félicitations à lui. Voilà, qui s'est marié cette semaine. Cette semaine. Il y a eu du monde du côté de l'IFU. Et allez, Pouya, oui, super Pouya, la frappe enchaînée. Voilà, ouais. Ils sont bien dedans là, ces nordistes. Et on le connaît, sa qualité, on lui connaît cette qualité de joueur très percutant, David Pouya. On voit quand même le ballon, si on va revoir sur le ralenti, le ballon que lui met. Le petit crochet court là, John. Celui-là. Met dans le vent son adversaire et la frappe contrée, on revient au jeu et à ce coup de pied. De coin, la tête de Wakanomune au second poteau, demande la main. Ah oui. Monsieur l'arbitre, là, il était bien placé. Monsieur Pellissier, on va voir en replay. On va voir, ouais. Parce que là. Allez, Poimeno, c'est pas fini. Et ils sont parfois pris de court un peu, les joueurs de la SM. Après, peut-être que la main, le bras est resté le long du corps. On va voir. On va voir ça avec un ballon. Allongé par Oulil et la faute d'Ai Wegener. Allez, on revoit ce ralenti. On reviendra ça. Ah, c'est il pas reviendra tout à l'heure. Oui, on va revenir. Ah. Jean-Marc Ouignet, moi qui. Se poser des questions. Là, parce que il se dit, il y a moyen ou il n'y a pas moyen. Mais il y a toujours moyen. Et il a sorti la. La petite écharpe, ah bah qui est, et il fait pas chaud, hein. On est sur du 23-24 degrés ici de Madélé. Et rien ta période fraîche. Donc, un petit ciel bleu qui tente une apparition. Mais sinon, en tout cas, il pleut pas. Donc oh là des là conditions oh parfaites. Là et c'est encore Tagawa là qui multiplie. Mais c'est bien ce qu'il fait. Il pèse sur ses défenses. Daniel Tagawa. Ah, on le voit, alors là, il fait faute. Mais ouais. il pèse et puis ça les met en difficulté. Wallon, Waounier, Waitreux, on voit cette faute. Et donc on peut relancer côté Waitreux. Wojoka. Là, c'est là, il faut qu'ils enchaînent plus rapidement. Ah, bien fait ça, Jean-Christ. Faut qu'ils aillent plus vite. Et encore une fois, bah, ces trois-là qui fonctionnent bien côté Bako. Ouais, mais il faut qu'ils jouent simple et il faut pas qu'ils. Voilà. Faut pas s'enflammer. Il faut se parler aussi entre Guérin et Wojoka et ça repart vers Waitreux qui ne prend pas de risque. On le voit. Et on va revoir cette main ou pas main. Oh bah oui. Le ballon il remonte. Il cache sa main en plus après. Il a bien dû le voir, c'est. Bon. Alors après, est-ce que le mouvement de bras était vers, ouais, parce que le ballon, vers il monte. Son corps. Le ballon, il monte en fait. Le ballon, il tape sur le corps. S'il tapait sur le ventre ou le tronc, le ballon repartirait à la même hauteur, enfin plus basse. Mais là, il tape et il monte le ballon. Donc il a dû taper avec son poing pour que le ballon monte.
pas possible sinon. En tout cas, bon, ça n'a pas été sifflé. Il part à la verticale le ballon. Alors, on précise bien, c'est que après, si sur ses fautes de main, c'est amplifier la surface de son corps corporel qui est sanctionné. Oui. Bon, après, il y a toutes les subtilités, on en a parlé après, déjà la semaine dernière. Moi, je regarde juste le ballon monter, je me dis juste qu'il a le comme s'il faisait une manchette au volet, quoi, avec son d'un seul bras. Quoi. Il s'en sort bien, Jean-Christophe. Parce que le ballon, il monte. Hein. Un joueur de volleyball, il aurait été content d'attaquer cette balle-là. Et on peut aussi juger cette main accidentelle, aussi, involontaire ou pas. Non, et puis de toute façon, il a choisi. Il a pris sa décision, l'arbitre. Voilà. Il a dit qu'il n'y avait pas main. Monsieur Pélissier qui a tranché. Et donc pour lui, il n'y avait pas main. Et on en reste, en tout cas, ce score de but partout. On a passé la demi-heure de jeu, John. Et pour l'instant, Bako est surprenant, surtout dans cette logique qu'on attendait de voir, c'est-à-dire trouver des repères défensifs. C'est ça. Étape par étape, la première étape, c'est avoir une bonne assise défensive, et rigueur surtout. Reste à savoir donc s'ils auront cette rigueur et cette concentration pendant 90 minutes. C'est ça. Voir un peu plus. Si dans la gestion de l'effort, ils le font intelligemment, surtout sur les phases d'attaque, de ne pas aller se tuer l'énergie pour faire des actions des fois qui sont trop exagérées, c'est ce qu'on peut voir de temps en temps, et ben ça va leur permettre d'avoir du jus pour la fin. La percussion de Wadjoka, il a encore passé Jean-Chris. C'est un beau duel entre Vamael Poitili et Jean-Chris Wadjoka. Ce qu'il faut, c'est très vite venir faire une prise à deux là, côté gauche, ce qu'on le voit. Hein. Jean-Chris, en un contre un, il est difficile à prendre. Mais très vite. Mais s'ils arrivent à garder la distance, dès que le ballon va vers Jean-Chris, ils arrivent. Bien, attention encore, justement, Jean-Chris. C'est là où il aura un rôle important, Nolwenn Wabé à l'eau. C'est un deuxième poteau là-bas. Suppléer son défenseur. Oula, attention. Qu'est-ce qu'ils se sont fait là? C'est le soleil, c'est quoi? Ouais, c'est le soleil, dit. Et Germain, de nouveau tout proche de son premier but en championnat. Germain Ewegene. On le voit. Il a été un peu piégé. On a l'impression qu'il a perdu sa vision sur le... Ouais. Certainement dû au soleil, hein. John, t'as raison. Qui est derrière nous, derrière la tribune principale. Donc c'est ça, faut qu'il... Ça joue, attention, et il était là, Will. Par rapport à Jean-Christ, c'est vraiment la distance. Avant qu'il reçoive le ballon, Jean-Christ, il faut que le joueur soit à bonne distance. Comme ça, si le contrôle il est mal fait, il intervient. S'il est bien fait, il contrôle. Après, il faut cadrer et accompagner. Recul frein, c'est ça. Donc, mais c'est la distance la plus importante au départ. Si bon, la distance, le bon timing. Et déplacement défensif. Après, voilà, c'est les déplacements, c'est le bloc, c'est la lecture du jeu, c'est la communication, c'est plein de choses qui rentrent en compte. Quoi. Le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, John. Parce qu'on ne s'intéresse pas au jeu que quand il y a le ballon. Quoi. Le centre névralgique du football. Le jeu sans ballon, le football qui est un jeu de mouvement. Voilà. Et en parlant de mouvement, Germain Ewegene, parti en profondeur, le petit ballon piqué. Et Poumali, superbe. Bien joué. Il gagne son duel. Voilà, ça. Ouais, c'est là cette distance-là. C'est la distance. Il était trop haut par rapport à son défenseur central. Parce qu'il y avait un attaquant derrière lui. Donc en c'est tout ça. Cas, Ludovic qui couvrait aussi. Et Germain, faut pas lui laisser trop d'espace. Il va très très vite, Germain Ewegene. Et bel arrêt de Poumali. Donc c'est ça. Faut prendre les informations par rapport aussi à son partenaire. Où il est, si on est sur la même ligne. Si on est sur la même ligne, je décale. Plus bas ou je devais plus haut. C'est tout ça. Avec Kamel Hadj. Oula, la combinaison, c'est bien fait ça, avec cette frappe. C'est pas fini. Hadj à nouveau. C'était bien vu, hein, cette combinaison là, sur corner. Ah, on en voit de plus en plus, on avait vu Tiga, on le verra sûrement tout à l'heure, l'équipe de Léo Lopez, justement, combiner beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Surtout sur les corners, je crois que c'est la mode cette année, de faire Yengen l'ont fait, on l'a vu sur les deux matchs là, du week-end. Barrage de Ligue des Champions. Barrage de Ligue des Champions, Tiga Sport
Des fois, ils en abusent. Ils n'arrivent pas à retrouver leur, leur combinaison. Mais c'est clair, c'est intéressant. C'est que ça bosse. C'est que ça bosse à l'entraînement. C'est coup de pied arrêté. C'est phase de jeu où on peut mettre en danger l'adversaire. Allez, ballon pour Taouvama, buteur de l'ASM pour l'instant, l'unique buteur, le jeune Taouvama, buteur sur corner, on le rappelle, alors que Bako donc a réussi à revenir au score. Ouais, ils sont bien en place parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à Magenta. Pourtant, ils... sur le côté. Mais les lignes sont très bien resserrées et quand la ligne. L'espace entre les lignes est respecté côté Bako, c'est intéressant vraiment. Ouais. Ils n'arrivent pas. Ah, il y a quoi, corner ? Ah ouais. Bon, bah corner alors. Mais alors, sur ce qu'on a vu il y a trois semaines, hein, même un mois, il me semble, côté Bako, il y a un net progrès hein, sur, ouais, sur ouais, ce ouais, côté-là. Ouais. Ah oui. Il y a un... Oui, il y a un net progrès parce que ça. Attention, on va suivre malgré tout ce corner à la tête. Et quel arrêt de Poumali. Plaquette, et il était tout proche du doublé. Attention, il est tout seul. Il est tout seul. Il est... Non, on va pas trop vite. Attention. Bah oui, c'est mis en jeu. Tagawa. Là, attention contre seul. Magenta. Attention, là, il était vraiment seul au monde, là, Daniel Tagawa. Et heureusement, il a raté sa passe qui s'était mis en jeu. Ouais. Il n'a pas cassé sa course. Ça va très vite là-bas sur le côté. Quelle accélération. Ah, il est pris la toupie. Le petit ballon rentré, ils ne sont pas compris. Non, là, il revient à Lorient. Attention, pas se jeter. Oneoa, incroyable, cette course qu'il vient de faire. Ah, il vient de faire 100 mètres là en sprint. C'est aussi ça qui est intéressant, la transition. On va revoir. Hein. Quelle action là avec là, cette arrêt. Tête. Superbe. Et quelle parade, cette manchette, cette claquette en tout cas de Poumali sur cette tête de Taouvama. Ah, il a été la chercher, Zico. Ouais. Poumali. Et puis de l'autre côté, ah, c'est Lorient Wenewa. Il est parti à toute vitesse. Ah oui, il faut jouer sur sa qualité. Et c'est bien ce qu'il a fait là, Lorient Wenewa. Ouais, il aurait dû freiner sa course. C'est ce qu'il n'a pas fait au départ, il ne l'a pas fait après aussi. Tagawa. Couper sa course et se rendre un espace libre dans la surface de réparation. Venir en retrait un peu. Là où excellait monsieur Cavani. Ah bah. Edinson Cavani, pour les attaquants, ça doit être un modèle du genre dans ses déplacements. Non, en ce moment, il y a Benzema. Benzema, c'est le numéro 1. Allez, ça joue pas trop mal avec Poimeno. Même si c'était difficile et Magenta qui peut repartir. Bon, en tout cas, on voit une équipe de l'ASM qui essaye quand même de passer par du jeu au sol, ce qui est intéressant. Voilà. Prennent le temps, mais après, c'est vrai que bah, c'est ces 30 derniers mètres. On n'arrive pas à trouver ce décalage et les bonnes solutions. Même si là, Germain Wagené, il y va tout seul. Tel un bulldozer et il est passé en force. Mais il obtient la faute. On revoit. Et, on voit que ça glisse. Hein. C'est vrai que tu le disais et tu le notais, John, en ouverture de match. Un terrain relativement détrempé côté. Ouais, c'est ça. Mais on le voit, le ballon, il a du mal à fuser. Je sais pas. J'arrive pas à. Mais en tout cas, on a l'impression qu'il est bien gras, le terrain. Ou l'herbe, elle est haute, beaucoup de pluie, hein, je sais pas. Beaucoup de pluie aussi depuis 24 heures. Et puis, peut-être pas les. Ils jouent peut-être pas tous dans les bonnes chaussures aussi. Ah, et puis après, ouais, c'est clair que la plupart, ils sont tous en moulé. Hein. Attention Hadj, la petite combinaison, c'est un peu long. Ah ouais, bah il peut pas freiner. C'est mal fait. S'il n'a pas de visée, il va freiner ses appuis. Là, c'est deux faces. C'est et deux voilà, faces. Tagawa. Il faut qu'il simplifie. Et... Simplifie son jeu. Dans ce rôle de pivot touche, là, ouais. Voilà, il faut qu'il arrive à tenir ses ballons. Ouais. Au lieu de faire une touche, là il a fait une deuxième touche. Ça a permis à Hadj de venir resserrer et fermer l'angle de passe. S'il l'avait touché en une touche, il était loin, Kamel Hadj. Ça
Ça veut dire qu'il aurait donné du rythme et de la vitesse au jeu. Il aurait créé des espaces, des décalages. Et long ballon. Tête de Jimmy Wauni. Ouais, longue touche. Il a bien qui peut le faire, celui-là. Touche corner. Eh ben, ça sera pour Poitili. Qui cherche une solution avec dans l'axe Wabé Allo. Nouvelle touche pour Bako. Et la relance avec Germain Ewegene qui arrive à se retourner. Remise vers Guérin et l'intervention de Napoirapoé. Un partout. Voilà, toujours ce score alors que il reste 2 minutes dans le temps réglementaire. Et Jean-Christophe Joka qui partait dans un rush et la Rouille bien défendu. Il obtient la touche. Léo Laroui. Pomeno qui retrouve. Il avait Laroui en face. Patili, attention à ne pas perdre ses ballons avec Hadj. Ouh, le bon ballon de Hadj avec Ewegene qui a de l'espace sur le côté droit. Germain Ewegene. Chercher en retrait et encore un bon retour de cette défense de la JS. Notamment de Ashley Napoirapoé. Ils se sont mis tout seuls en danger. Mais heureusement qu'il y a eu le retour des défenseurs. Là. Et c'est clair que quand on ne simplifie pas le jeu, ça donne des situations qu'on vient de voir où on court après vers notre but et puis on essaie de défendre difficilement. Adieu. Hop là. Heureusement pas de main. Et encore une contre-attaque. Il est un peu loin Pouya. Et le bon retour de Rodrigue Wallon. Bien fait avec son gardien Oulil. J'ai l'impression des fois ils ont envie de se débarrasser du ballon. Mais si vous arrivez à avoir l'information avant, il n'y aura plus ça dans votre tête de vouloir se débarrasser du ballon ou de ne pas savoir quoi faire avec le ballon. C'est parce qu'au départ, la prise d'information, elle doit être effective. Elle doit être effective. Vous devez savoir pourquoi vous prenez le ballon pour la redonner. Et en tout cas, sur les contre-attaques, on le voit, il y a de l'espace hein, sur les corners de Magenta. Ils auraient pu l'exploiter à fond depuis tout à l'heure. Mais parce que... Ah, voilà. Et ben, pas de temps additionnel ou pas de temps de jeu perdu, voilà, comme on le dit maintenant. Un partout, John et... Pour l'instant, un match intéressant, vraiment. Avec Magenta qui a plus le ballon, mais Bako qui reste solide défensivement. Solide, qui a une rigueur défensive qui, voilà, qu'on n'a pas vu depuis le début de ce championnat et puis qui montre que bah, ils ont les moyens de. Donc voilà, merci aux deux équipes. Allez, on vous laisse avec un sujet que l'on revoit. Il est signé Calédo Foot, l'émission web du foot Kagou de la Fédération Calédonienne de Football qui rendait hommage. À la fin du mois de mai, donc en ce mois de juin, à Jacques Zimaco. Zim, on se retrouve après ces hommages et ce sujet signé Calédo Foot. Zimaco qui arrive très vite. Sur la droite, oui, Zimaco va marquer. But de Jacques Zimaco, c'est de Jacques Zimaco et la France mène 2-0. Mais la phase de Kikessik était vraiment superbe. On a l'impression que Zimaco allait s'engager et regarder. Il va s'engager, il donne vraiment un très très bon ballon à Jacques Zimaco, 2-0 pour les Français.
Il nous a inspirés. Moi, en tout cas, j'ai des souvenirs, quand j'étais jeune en Nouvelle-Calédonie, de l'avoir vu, donc bien sûr, faire ses exploits, donc, que ce soit avec Bastia, sur les matchs de Coupe d'Europe. Puis après, j'ai eu la chance ici donc, oui, de le rencontrer, de jouer contre lui. J'étais tout jeune. Ouais, c'est venir marquant. La première fois que je vois Jacques, voilà, on est face à face. Et moi, je joue latéral droit et lui, il est ailier gauche. Voilà. C'est un Bastia Nantes. Coco Ciodo, il voulait tester déjà mon mental, voir si j'étais capable de, ouais, d'aller mettre des coups un peu au grand frère. Là. Et ça a été un cadeau empoisonné. Mais voilà, donc. Mais il a été toujours très bienveillant, il m'a accompagné. Voilà, après, par la suite, on a gardé des contacts, on a toujours eu l'occasion de discuter. Quand je jouais donc, avec les clubs différents, même entraîneur, il venait me voir à l'hôtel, on partageait des temps ensemble. C'est une grande perte pour le football calédonien, bien sûr, mais moi, c'était un proche. Ouais. Bah, en fait, Jacques Dimoco, moi, c'est évidemment plus de la génération d'Antoine, mais c'est vrai que, oui, en étant joueur de Gaïcha, on ne parlait que de lui ou de Marc Agnan. Et véritablement, oui, c'était un des premiers à revêtir le maillot bleu aussi, et de par ses dribbles, qui a fait que le zigzag, on essayait d'essayer de faire comme lui. C'est-à-dire qu'il fallait essayer de dribbler gauche-droite. Il n'y en avait qu'un. Oui, et donc, oui, Jacques, moi, quand je l'ai rencontré, c'est lui qui m'a quelque part accueilli à Bastia, parce que je jouais à Bastia. Et il était sur place, et il m'a accueilli. Et véritablement, oui, c'est une icône. Donc, c'est un intouchable. Et voilà, mon esprit est là. C'est pour ça que quand je suis à Nantes, j'ai vécu à Nantes, j'ai joué avec Nantes, mais les Verts, c'était quelque chose. Parce que de Jacques Dimoco, justement, les Verts, Manu France, avec Michel Platini et tant d'autres. Donc, j'avais les Panini des Verts. Je veux dire, je regardais pas Nantes, je regardais les Verts. Après. Platini, fin replié. Relais avec Larios. Platini et Batiston qui attend le dernier moment, qui a bien vu Dimoco. Et Dimoco file le long de la touche. Brûle la politesse, Jacobs cherche quelqu'un au centre, lève la tête, il ne voit personne. Et il tire tout simplement du pied gauche. Le réalisateur est surpris, c'est un but d'acrobate. Signé Jacques Dimoco. Les familles, c'est à peu près les clans, quoi. Mon père, c'est l'oncle de Papa Dimoco. On était. Enfin, c'est la famille, c'est la tribu. Il est fou, surtout à Diolou, on joue beaucoup au foot. La plupart de nos papas et grands-pères jouent au foot. Et on a suivi les chemins. Et puis après, moi, j'ai accueilli Jacques en 72 à Bastia. Parce que je venais en vacances ici. Et puis son père, il m'a dit il faut que tu l'amènes à lui. À ton neveu avec toi à Bastia parce qu'il commence à traîner. Puis voilà comment j'ai pris un billet à Jacques de la Bastia et puis voilà, je l'ai fait venir. Il est resté à Bastia, quoi. Il a tout de suite, comme c'est un bon joueur, tout de suite, il a tapé dans l'œil des dirigeants de Bastia et puis ils l'ont fait signer une licence. Moi j'étais déjà là-bas à Bastia, j'étais installé et tout. J'étais marié avec une Corse, donc c'était bien d'accueillir Jacques parce qu'il y avait de la famille, quoi. Pas où Jacques, c'est un, comment on dit, c'est un feu follet. C'est techniquement, il était très bon, mais en plus de ça, il est rapide. Et quand il a le ballon, il va tout seul. Il a techniquement, il était très bon. Et il allait vite aussi. C'était le chouchou du pays parce que les footballeurs, c'est comme ça. On a eu Antoine Comboiré, Christian Carambeu, puis il y a eu Jacques Dimoco, et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont venus derrière. Il y a Ossou Pierre, Mapéry Michael. Et moi, j'ai bien aimé parce que, comme on dit les vieux, ils nous ont suivis. On a leur chemin, et puis eux, ils ont suivi. Ce but de la 13e minute réussi par Marc Verdol, Dimoco. 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 Et une
faute de Marius Trésor sur Zimacourt, un garçon très talentueux. Ce sont des personnages qui a marqué à leur époque, mais surtout une fierté de la tribu et de la chefferie de Gaïcha. Donc mon papa Marc et Jacques, ce sont, comme dans nos jargons à la tribu, on dit, ils ont déboursé la route pour trouver quelque chose de meilleur pour les jeunes. Et Jacques, il était l'un des, le grand frère qui a, après Marc, qui a justement déboursé ce terrain-là pour que les générations plus tard puissent y aller, en tout cas pour aller s'exprimer en métropole au niveau du football. Nous, on est nés dans cette dynamique-là. Quand Jacques, après Marc, on les a vus à la télé, à la radio, à l'époque. Et donc ça faisait la fierté, mais c'est surtout aussi l'exemple. Et puis comme on aimait bien jouer au foot, ben c'était nos référents, quoi. Partout où on jouait, ben on pouvait porter le nom de Jacques Zimaco et tout. Et c'était une grande fierté. Dans le jargon du football à l'époque, c'était notre repère, quoi, au niveau du pays. À l'époque, avec Saint-Étienne et tout, quand on a bien connu Jacques Zimaco avec Saint-Étienne et tout, ben c'était quelqu'un de la famille de Djourou, en tout cas, pour dire que c'est notre idole, c'est notre frère, avant tout. Et c'est quelqu'un qui a montré le chemin de la réussite, en tout cas professionnelle, des footballeurs calédoniens. À la 31e minute de la deuxième mi-temps. Premier but Platini, deuxième but Zimaco. Michel Hidalgo a bien fait alors que nous revoyons ce but superbe. Jacques, c'était un Calédonien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un relativement cool, discret, et voilà, toujours le sourire, et ça, c'est ce que je garderai de lui, quoi. C'était un gars sympa, quoi. Ouais. C'était un joueur qui avait la qualité, c'était la vitesse et capacité d'accélérer, il avait les doubles accélérations. J'ai déjà dit que sur le plan technique, la chance qu'il a eue, c'est de jouer avec Michel Platini à Saint-Étienne, qui était... Voilà, un passeur hors pair, quoi. Donc, oui, donc il était extrêmement virevoltant et voilà, il était rapide sans en donner l'air, quoi. Hein. Et j'ai eu la chance de jouer avec lui et gagner les Jeux du Pacifique à Nouméa en 87. Et le souvenir que je garderai de lui, c'est sa simplicité et ce grand footballeur qui nous a marqué. Pour nous et pour les générations futures, il est un exemple. Allez, on est de retour au stade de Nouma Dele. Et on va suivre donc John cette deuxième période entre l'AS Magenta et la JS Baco. On a vu s'échauffer William Roquad à la mi-temps côté Magenta. Certainement un changement d'entrée de seconde période pour l'ASM. À quelle place, il me semble que c'est lui, hein. Pas. Oui, c'est Roquad qui s'échauffe, mais il va rentrer pour apporter... Je pense à la place de la Toupie qui était prévue sur le banc au départ, ouais, et William Roquad qui arrivait en retard, en fait. Professionnelle. Donc voilà, en tout cas, Magenta qui va devoir, on le voit, donc William à l'échauffement avec son chasuble bleu, qui va devoir donc faire un peu plus dans les 30 derniers mètres, notamment pour bousculer ce bloc de la JS Baco, plutôt bien en place. Attention aussi à ce couloir droit de côté Baco, parce que couloir gauche côté Baco, parce que Jean-Christophe Joka, et il est toujours aussi omniprésent et percutant aujourd'hui. On va revoir les moments forts de la première période, John, avec, on va le voir, les deux buts de ces 45 premières minutes. Et c'est une perte de balle. C'est cette faute-là. Perte de balle qui occasionne un coup franc pour Kamel Hadj. Tire parfaitement ce coup franc excentré. C'est Taouvam hein, qui a mis la tête. Ezekiel, on revoit ça. Voilà, hein, ouais. Cette perte de balle et ce coup franc surtout qui... Le gardien aussi. Hein. Ouais, pour Mali qui juge mal la trajectoire.
Et puis on le disait, Jean-Christophe Djoka qui aura eu beaucoup d'activités encore sur son côté droit. Avec peut-être là un choix un peu trop osé. Ce coup franc magnifique de Pouya. La parade d'Oulil, mais ça n'a pas suffi. Car qui était là? Le capitaine Wilson Poimeno qui de la tête a égalisé. En tout cas, John, on le disait, Bako, il y a du mieux, hein, vraiment c'est aujourd'hui. Ça. Mais là, Magenta, sur ce coup-là, là, les joueurs sont esselés. Il y en a quatre qui pouvaient marquer, en fait. Et donc, les défenseurs, ils étaient tous devant le mur. On ne l'a pas vu, mais on le verra plus tard, tout à l'heure. Voilà, en tout cas, un but partout avec le public qui arrive tout doucement au stade de Nouma Dele. Ah, donc, les belles images. Ouais, on remercie forcément la production qui nous permet de suivre toutes ces rencontres de Super League. On vous tiendra aussi informé. Voilà. Bien sûr, avec on le voit les enfants qui sont au stade et ça fait plaisir de voir cette jeunesse. Quand je repense à, je reviens sur le fait que Magenta ait marqué que 7 buts depuis le début de saison. Mais si on regarde en fait la formation qu'il a toujours mis en place au Ouest, il a quand même mis sur 10 joueurs de champ. Sur les 10, il y en a au moins 8, c'est des défenseurs. 7 ou 8. On a Roquat qui est latéral gauche qui joue milieu offensif gauche. On a Jean-Christophe Djoka qui est latéral droit qui joue milieu offensif droit. On a toute la ligne défensive, ça fait déjà 6. Plus de 8 avec les deux milieux défensifs. On est déjà à 8. Ceux qui ont vraiment une teneur offensive, c'est Hadj et Germain Awengene et Wapala. Et Wadrawan, non. Et Wadrawan, pardon. Effectivement, après c'est aussi le travail qu'il va falloir aller chercher maintenant offensivement côté Wadjoka et Magenta. C'était juste pour expliquer la stat là, qu'ils ont actuellement Magenta, à ce qu'ils ont du mal à marquer. C'est clair qu'il en a marqué, il en marque début, il n'en a marqué que deux, Jean-Christ. Mais voilà, ça fait pas de lui le super attaquant. Vous voyez à l'image Poimeno qui a été important dans ce dispositif mis en place par Jean-Marc Ounemoi côté Bako et on le disait. Ce trio, Yekawe et Poimeno Laroui, qui a été intéressant dans ces 45 premières minutes. C'est ça. Laroui qui basculait bien. Il y a de temps en temps où il dézonnait, difficile, mais voilà. Il a tenu son rôle. On le voit, ce changement qui doit être opéré par Magenta. Ouais, William Roquat, donc qui rentre dès le début de cette seconde période. On avait vu Serrel Atoupi un peu pris de vitesse 2-3 fois côté droit par Pouya et Wenewa. Et puis offensivement, on va essayer de trouver d'autres solutions aussi sur ce côté gauche. Clairement, le jeu de Magenta a penché côté droit hein, sur les 45 minutes. Il a été. Même si le but arrive du côté gauche, avec ce coup de pied arrêté, cette faute qui a été faite sur Kamel, mais c'est clair que le côté le plus animé, ça a été celui de Jean-Christophe Djoka. Allez, coup d'envoi de cette seconde période. Daniel Tagawa, qui lui aussi aura fait une bonne première mi-temps. Magenta qui a eu plus le ballon, logiquement, comme c'était attendu sur cette première période. Mais il va falloir faire un peu plus offensivement pour aller chercher une nouvelle victoire, une quatrième victoire côté ASM. On rappelle qu'on est en direct sur la chaîne Pacific Plus et la chaîne Web FCF TV. Restez bien avec nous. Avec à venir un duel que l'on attend et qui est intéressant avec l'AS Lossy, la jeune équipe de l'AS Lossy qui va défier et tenter de faire chuter le leader Tigasport. Ouais. Un derby du sud Lifou, plus ou moins, John. Avec Tiga donc d'un côté, Tokanod et puis. C'est le derby du district. Exactement, attention cette tête. C'est le derby du district, c'est ça. Le district du sud. Ah, il va être très intéressant. Ça repart en tout cas dans cette seconde période. Alors, on était ensemble la semaine dernière, John, sur le FC TV pour suivre les matchs de barrage qui nous ont tenu en haleine vraiment entre Yann Gensport, vainqueur du SNJO au bout du match retour, au bout du bout. On va suivre quand même Roquad, c'est bien fait, Kamel Hadj. Frappe, ça s'enlève, trop enlevé, ça s'envole, pardon.
Et donc, l'info de la semaine, c'est que on a eu donc le lieu, le pays hôte et la ville hôte de cette De future ce Ligue des tournoi. Champions océaniennes qui sera Auckland. Et donc, ce sera courant août, Jens Gainsborg qui ira défier les autres champions océaniens et représenter la Nouvelle-Calédonie. Avec en tête forcément son capitaine Bertrand Cailly, 39 ans. Alors, c'était son anniversaire samedi dernier, non, lundi dernier, pardon. Il nous a offert un doublé. Il s'est offert un doublé. La légende du foot océanien, Bertrand Cailly. Oh là là. Voilà, super, Bolil. Attention, non, à pas trop prendre de risques. Il s'est offert un doublé pour son anniversaire. Il s'est offert un cadeau et il a offert un sacré beau cadeau À l'équipe de Yengen. à l'équipe de Yengen. En tout cas, on va vraiment féliciter les deux équipes NetGeo aussi qui aura vraiment fait belle impression sur ces deux rencontres. Et on va suivre aussi les résultats côté des îles. Un bon ballon pour Ouadraouane. Frappe et la parade de Poumali. Attention à ce côté gauche là-bas. On parlait souvent de compensation, en tout cas de temps d'intervention, de bonne distance. Là, on était loin, hein, côté Ouais, il Bakou. était loin. Parce qu'il va falloir continuer à gérer ce qu'ils ont pu gérer en première mi-temps. Tout cet aspect défensif avec une rigueur au niveau des distances d'intervention. Bon ballon de Yekaoué avec Poimeno ou Oh. Dudo. Intervention peu académique de Jimmy Wawonye. Mais utile. Qu'est-ce qu'il signalait, monsieur l'assistant là-bas? Ça joue, et tranquillement. Aurait pu revenir sur la Ali. faute. Qui va pouvoir relancer. Là. Pouya intercepté. On a vu que Wadjoka a changé de côté. Il est passé côté gauche. Attention à ne pas la perdre. Il faut vraiment jouer Wa. simple, c'est Elle est prise aussi dans l'étau de l'ASM. ouais, Wakanumune. mais s'il y Germain a but, il Wagene. pourra s'en vouloir. C'est vrai que Beau c'est pressing. Les mauvaises relances aussi. Surtout ça, une mauvaise relance à vouloir compliquer, à manquer de simplicité, et bah, ça donne des situations dangereuses où ça aurait pu donner une faute, ça aurait pu un but. On le voit aussi Germain dans sa qualité de joueur qui lâche rien, Ah, c'est passe un premier coup de boule. Ouais. défenseur de cette équipe de l'ASM, l'avançante des jaunes. Et blanc. Et encore un contre énorme, énorme ce contre avec du 2 contre 1. Daniel Tagawa. Attention, Pouya passe mettre en jeu. Daniel Pouya, il n'y est pas en jeu. Daniel Pouya. Et la parade d'Oulil. C'est pas fini avec Pouya toujours. Et quel arrêt de Michael Oulil. Ouais, Oh, il arrive pas. C'est vrai qu'ils ont du mal techniquement. c'est mal géré ça. C'était vraiment une énorme occasion. Mais quel arrêt de Oulil. Et ça fait, je le disais, hein, sur corner, attention. Magenta se met Allez, vraiment en porte-à-faux. C'est vrai que Magenta a peut-être sous-estimé l'équipe de la JS Baku. Peut-être un petit peu pris de haut parce qu'on regarde hein, sur les relances, les attaques rapides, l'impression qu'il y a un joueur ou deux joueurs derrière et c'est pas grave, on peut les contenir avec un seul ou deux joueurs. Non, faut garder la même rigueur avec toutes les équipes. Avec toutes les équipes. Après. Ils n'en profitent pas de cette occasion, les joueurs de Baco. Parce que Et là, là, ils auraient c'était pu. encore un 2 contre 1. Oui, c'est un Et 2 contre encore, 1, ils auraient pu. on va regarder le replay, mais enfin, moi, il me semblait que Pouya était un peu hors jeu. Oui, Et parce qu'il n'avait pas encore vraiment stoppé sa course, ce qui fait que l'angle de passe, il ne l'a pas vraiment facilité dans sa transmission. Son coéquipier, du coup, Tagawa, il est un peu long, ça passe vers Pouya. Mais déjà. Sur cet aspect défensif, ils sont en train de s'appliquer, de travailler, de progresser. Ça va arriver plus tard, toute cette phase offensive, l'animation offensive avec la lucidité, de la réussite ou de l'efficacité devant le but. Mais pour l'instant, je trouve que c'est bien ce qu'ils font défensivement. Même après qu'ils se projettent vers l'avant, ils ont du mal à se projeter correctement et puis à finir leurs occasions. Mais en tout cas, il y a eu un changement.
David Pouya, justement, je crois. Non, non, c'est Wabealo hein, qui est sorti. Ah, c'est Wabealo qui est sorti. On l'a même pas vu ce changement. Et c'est Stéphane Mi hein, qui est rentré. Voilà, Stéphane Mi, parce que lui, c'est pas pareil peut-être. Hein, s'il ouais. se retrouve tout seul devant là-bas. Il lui en faut pas 36, ah, hein, Stéphane Mi. Je pense qu'ils ont senti le coup, ils se sont dit bon. Hop là, il y a quand même un jeu dangereux là. Pas si dangereux que ça pour l'arbitre. Après, c'est tout le dilemme de cette. On va suivre Hadj, ce bon ballon vers Jean-Christophe Djoka. Il n'y a pas de faute. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il. Il faut qu'il fasse attention, la rouille. C'est s'il part sur le côté gauche, qu'il y ait quelqu'un qui comble l'axe. Ouais, puis c'est le dilemme justement de cette défense à 3, John, c'est qu'on est pratiquement sur du 1 contre 1. Avec les trois attaquants de Bako là par moment et ça offre quand même beaucoup de boulevard. Hein, ouais. Ah oui, ouais. Beaucoup, beaucoup. Bah, c'est pour ça qu'il faut qu'il y en ait deux qui restent au moins deux ou même les trois. Ça sort. Allez, donc en tout cas, on avait vu peut-être sur ce. Cette contre-attaque du corner, on l'a vu, Bako est capable aussi de surprendre encore Magenta qui bon, a plus la possession, mais pour l'instant, c'est stérile offensivement. Bah, quand on a un bloc qui est en place défensivement, ils peuvent enchaîner rapidement offensivement parce qu'ils sont déjà en place. Sauf qu'après, il faut une animation et des automatismes qui soient bien huilés. Enfin, des. Soit déjà bien en place quoi. Bah, ils ont un peu de mal parce qu'ils ont beaucoup travaillé défensivement, on les voit. Hein, que défensivement, ils arrivent à contenir leur adversaire, à enrayer les différentes attaques, même si c'est pas au top, mais. Voilà, avec ce bloc c'est déjà bas ça, et, voilà, et, voilà. Et il va falloir aussi voir comment où ils en sont physiquement cette équipe de Bako parce que c'est ça qui va permettre. C'est aussi à l'heure de jeu où on va vraiment voir là, on l'a vu tout à l'heure David Pouya, c'est juste un problème de physique où il a manqué de lucidité devant le but, où il était fatigué. Le centre, faut se parler. Ouais. Wakanomone qui prend pas de risque. Daniel Tagawa, beau contrôle. Ah, il grappille des mètres. Ah, mais il se fatigue là après. Il les lâche. Ah, il lâche. On le voyait déjà en fin de première mi-temps, il était presque carbonisé. Bon, en tout cas, il lâche rien. En tout cas, il lâche rien. Ça, c'est une et bonne après, chose. À la limite, il y a du banc. Il va falloir qu'il donne tout jusqu'au bout. Les attaquants de la JS Bako, et que vous l'avez vu, l'entrée de Stéphane Mi. L'ancien est le buteur de cette équipe de la JS. Donc là, c'est un bloc très bas. Et bon, ils sont là. Et Wajoka encore lui. Et il est pris dans cette tenaille rouge. C'est ça, c'est. Et Pouya, encore une fois, un peu d'espace pour la JS Bako. Stéphane Mi qui le tente. Il a élevé la tête, Stéphane Mi. Alors. Et on revoit cette frappe lointaine. Attention à ne pas se faire surprendre, Oulil. On retourne au jeu avec Roquad. Attention. Ce beau centre, et le voilà, caviar à destination de Germain Wegené. Le premier but de sa saison pour le buteur international Kagou. Mais quel travail de Roquad. Et voilà, c'est un petit saut de concentration défensif. Et ça pardonne pas face à l'ASM. Germain Wegené. Buteur, et ça fait 2 buts à 1. Ce côté gauche animé, on a vu Charles Waimadja dans les tribunes, c'est lui qui est occupé, le voilà qui part. Voilà. Ouais, ce duel remporté par Roquad qui fait un excellent boulot, et puis ce caviar ensuite. C'est cette distance, le latéral gauche, il va dans l'axe, en haut dans l'axe, on a des milieux. Toi, ta partie, c'est vraiment le flanc droit. Et tout est à refaire pour la JS Bako. Tout est à refaire pour la JS Bako. Et puis on est quand même content pour Germain et Wegené qui le cherchaient ce but. Depuis cette journée et demie, hein, entre guillemets, il n'avait pas marqué Germain. Lui qui est habitué à atteindre les 20 buts par saison. Et ben là, en tout cas, encore le temps.
Son compteur est ouvert et surtout, il permet aux siens de mener. Là, c'est ça, c'est simple, simple. Et Bako voilà, qui va devoir... oui, il fallait lâcher, dommage. Et ils vont se fatiguer, déjà qu'ils n'ont pas... niveau physique... Et la JS qui doit en tout cas rester lucide sur, sur ce qu'il se met en place défensivement, offensivement aussi. Ouais. Il y a le temps. Pas se griller, comme tu dis. Après, c'est un choix pour l'instant payant côté Pierrot Joka, cette entrée de Roquad qui dynamise ce côté gauche et on l'a vu, qui a été solide sur ses appuis Parce pour qu'il offrir a... ce but. Allez, Wegené. Il a un profil plus offensif que la toupie. Et en tout cas, ça fait 2-1, on approche de l'heure de jeu. Et Magenta qui a peut-être refait le plus dur. Wallon. Et encore une fois, voilà, des solutions trouvées maintenant, côté gauche également. Alors que là, on est carrément deux côtés gauche, c'est Wadjoka et Wallon. Et belle interception là, avec Tagawa maintenant. Faut lâcher, bien fait, Yekawe. On retrouve Poitili, il renverse le jeu. Intervention de Roquad. Il faut se parler, Laroui, qui peut maintenant poser ce ballon envers Poimeno, Stéphanie. Chercher en première intention là-bas. Pouya. Bien fait ça, Hadj. C'est trop jeté là, Poimeno, Kamel Hadj. Cherche le 1-2. Et Wakanouine qui peut relancer, il y a une faute, un ascenseur, juste devant le coach, Wawes, on revoit, ouais, poussette, un public. Ouais, changement. Léger, alors que Guérin va sortir. Ouais, ça y est. C'est indiqué par le staff médical. Et donc, oui, le public de Nouma Dele qui arrive progressivement dans ce stade. Mais je pense pas qu'on fera grosse affluence aujourd'hui. Les gens nous regardent depuis leurs écrans. Alors, il y a les vacances scolaires, il y a beaucoup de mariages aussi. John. Vacances scolaires, mariage, la reprise du travail lundi. On a beaucoup, beaucoup travaillé cette semaine, donc les gens avec le temps qu'il fait. Il fait froid. On a vu l'entraîneur comment il s'appelle, de Bako avec son écharpe. Jean-Marc avec son écharpe. Ancien gardien de la sélection Kagou. Ancien gardien de la sélection, oui. Et ça repart pour Bako. Avec encore un ballon allongé. Voilà, il faut être au deuxième ballon. Ce qu'ils ont bien fait quand même jusqu'à présent, l'équipe de la JS. C'est être présent, en tout cas dans l'entrejeu, au milieu de terrain, sur ces deuxièmes ballons. Ce qui a... C'est mis en difficulté cette équipe de l'AS Magenta. Mais il faut qu'ils continuent. Continue, c'est pour les matchs retour ou sur les prochains matchs, mais continue à essayer de trouver une rigueur, moi, attendre. Il y aura une confrontation, des confrontations directes avec aussi les plus mal classés. Ouais, bah oui. Alors à noter, John, que l'Horizon Passo, qui donc va recevoir Cougné, on l'a dit tout à l'heure, match décalé à 18h, a perdu un point au classement. Ah oui. Ils sont à 12 points au lieu de 13. Sanction établie par la fédération. Non, ils sont à 14 points au lieu de... 13 au lieu de 14. 14 au lieu de 15. Ils sont descendus à 14 points. Étant donné donc un match au cours duquel n'avait pas justifié la présence d'un éducateur diplômé. Ouais. Voilà en fait le c'est pourquoi du parce que. De John
Je crois que c'est lui. John Kamizak. Voilà John pour ce classement Super League. Et donc Passau est bien à 14 points. Avec donc l'obligation, hein, je le rappelle, de présenter un entraîneur éducateur diplômé du brevet de moniteur de football. Là c'est pour Cougnier, c'est Cougnier qui l'ont perdu ce point. Alors l'Horizon Passau. L'Horizon Passau, pardon. Ah l'Horizon Passau, je pense que Cougnier. C'est pour ça qu'ils sont à 14. Au lieu de 15. Exactement. Et il faut se mettre en règle, sinon c'est un point perdu par rencontre. Donc c'est aussi la fédération qui veut un peu tendre vers ses entraîneurs éducateurs diplômés. Avec notamment tout ce qui est mis en place au niveau de la formation par la FCF. On les salue parce qu'ils étaient en justement sur un module UC3 cette semaine. Les stagiaires éducateurs qui se diplôment sous la houlette de Michel Berbèche, conseiller technique régional en charge des formations. Donc la fédération qui met en place ses formations diplômantes. John, c'est important aussi pour progresser et puis aussi pour ses éducateurs parce que ça peut être une vocation aussi à terme. Dans le football ou en tout cas dans le sport. Ouais. C'est de bonnes choses pour le football calédonien. Et pour le foot calédonien, forcément, en tout cas pour l'instant. La GS Bako en difficulté avec une frappe et la parade de Poumali. Ah, bien joué. Quelle parade sur cette volée de Ouattrawan. Il a regardé le ballon qu'il a attrapé au lieu de. Allez, et celle-là, je la mets de côté pour le top arrêt de de l'année parce que vraiment. On en a vu beaucoup avec son compère d'en face ou Lille, mais alors là, quel arrêt. La volée et l'envolée. Attention. Il faut en tout cas que Bako reste dans le jeu, dans l'espoir de pouvoir obtenir le nul, parce que c'est vrai que le break, ça serait plus difficile. Ouais, c'est... Là, il reste... sous la menace Magenta de Bako, donc forcément c'est pas pareil. Même si on reste côté Ounemoi et la JS sur un bloc bas. On le voit d'ailleurs sur ce plan large. Qui coulisse bien, qui a une certaine rigueur, mais après c'est vrai que là c'est limite cette formation. Mais en tout cas pour ces équipes qui ont du mal à surtout bas de classement, aucun match gagné, aucun match nul. Donc faut repartir sur des bases. Simple. Ne pas perdre déjà. Ça passe par bien défendre. Ne pas perdre, c'est bien défendre. Aéroquad là qui. Il fait une bonne entrée, William. Aéroquad. Oui. En tout cas, c'est intéressant parce que ça vient un peu dynamiser ce côté gauche. Et clairement, John, sur les deux mi-temps, on a un jeu qui a complètement basculé côté droit, première mi-temps côté Magenta. Et puis, c'est tout l'inverse sur cette deuxième mi-temps. Je te dis, quand je jouais à Nantes, on disait c'est le côté le plus animé, c'est le côté de la... Quand on était en jeune, hein, le coach, il nous disait non, ça va être le côté le plus animé parce que c'est face aux tribunes. Côté tribune. Et côté tribune, c'est toujours animé. Hein. Eh ben, on a de la chance que c'est en face, juste en face de nous. Tout proche de nous, sur en tout cas les actions construites par l'ASM aujourd'hui. Et le jeu proposé par Magenta qui, c'est vrai, a un peu changé de côté entre les demi-temps avec la rentrée de Roquad intéressante. Et on voit Wadjoka, Jean-Chris très bas là, cherche Hadj, intervention de Laroui. Oh, il n'a pas cru. Oh. Waounier. Oulil, superbe ce ballon avec Roquad dans une touche. Bien fait, Sapoimeno, Pouya qui cherche, il trouve Stéphane Mi. Appui remise, bien fait. Oh, il aurait pu la mettre à droite.
Quel dommage. C'est malheureux qu'ils n'arrivent pas à prendre l'information avant. Et la relance, attention, elle est tout seul, Ouadraouan, et voilà un bon ballon. Il faut ouvrir, il faut ouvrir. Et la couverture, ça passe pour Ouadraouan. Ouadraouan, il cherche une solution, la parade de Poumali, c'était chaud. Laroui en 1-2, bien fait. Voilà, c'est deux milieux, Laroui, Yorick. Yorick et Kawé, perd ce ballon, il fait une main. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la main. Ça, c'est la fatigue. Ça, c'est la fatigue. Ah, c'est clair que physiquement, ils vont les. Ils vont être. Ils vont souffrir. Ils ont du mal, là. Hein, à 60e minute, à l'heure de jeu, c'est ça. C'est... On a du mal à remonter, là, défensivement. Et ça traîne. Ça traîne. Il faut leur apporter un peu de fraîcheur. Ne serait-ce que sur les. Allez, Wegené. Et. Avertissement pour le capitaine Yorick Yekawi. Ah, pour les milieux excentrés là du côté de Bako. Ceux qui font la navette depuis tout à l'heure. Ouais, c'est beaucoup d'efforts forcément. Beaucoup d'efforts. Le terrain il est lourd, on le voit. Fin... Et l'avertissement. Monsieur Pellissier. Ah, qui va le frapper. L'un des deux buteurs, Germain Wagené qui sort, touché lui aussi. C'était Guérin qui avait été touché tout à l'heure et qui a laissé sa place. Hadj, bien tiré encore, il n'y a personne. Heureusement. Et il reste 25 grosses minutes dans cette rencontre. J'ai l'impression qu'en fait, avec la pelouse, l'herbe, elle est haute. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. L'herbe, elle est haute. Ça fait que l'eau en dessous, c'est vachement mouillé. C'est que le ballon, il tombe, il fuse pas, mais... Rebondit pas trop. Rebondit pas. C'est... On les voit hein, quand ils marchent, les chaussures rentrent dans cette herbe qui est haute. On n'a pas l'impression qu'elle est haute, cette herbe. Et on allonge avec ce duel entre Hadj et Napoarapoé qui fait faute. Voilà le rythme qui est un peu tombé là depuis 10 minutes. Et on revoit cette faute avec un nouveau coup franc excentré. Pour Magenta, John. Voilà, encore un coup franc intéressant. Et il reste à terre. Hadj. Et on discute avec monsieur l'arbitre et les joueurs de Bako. On va rappeler les autres rencontres du jour avec un match qui se joue actuellement du côté de Boulari. Mondor hein, qui accueille Dombéa, match important, classement aussi. Et c'est aussi en cours le derby de l'IFU entre Rwanano et Negeo. Alors que Yengen également joue actuellement face à Wetch et accueille Wetch à Yoshida. Passo Kounye, c'est un match qui sera décalé à 18h en raison des conditions météo. Qui a atterri que cet après-midi au lieu de ce matin, alors qu'il y a une rentrée, c'est celle de Ali Samadi à la place de Hadj, me semble-t-il. C'est le dernier changement pour Wadjoka. On a le droit, on le rappelle, à 5 changements, John, mais. 3 phases. Que sur 3 temps de changement. 3 temps de changement. Et là, il a utilisé ces 3 temps de changement avec les entrées de Kamizak, Latoupi, Rokwad, Kamizak et Samadi. Là, il y a de la casse pour l'instant côté Magenta avec déjà 2 blessés sortis sur blessure. Hadj et Guérin. La tête là encore. Ah, ils ont été en difficulté en tout cas. Davantage sur coup de pied arrêté aujourd'hui. Oui. Bako et. Là, c'était Kenny Whitreux. Non, mais qui continue à travailler. Ils sont en train de mettre en place quelque chose d'intéressant.
qui continue à travailler sur les là, ces phases en mouvement, là, ce jeu en mouvement avec un bloc défensif qui bascule bien, qui donne une rigueur avec les distances entre les joueurs, entre les partenaires, entre les adversaires. Ensuite, après, sur les coups de pied arrêtés, sur tout ce qui est jeu arrêté, là, balle à l'arrêt, bah, faut travailler aussi. Si c'est en défense zone ou si on défend sur le joueur, fait du 1 contre 1, l'individuel. Mais que chaque chose en son temps. Et le chrono, en tout cas, qui tourne en faveur de l'ASM. Ah, l'AS Malata qui recollerait au peloton de tête en cas de victoire. Ouais. Il faut voir après ce que va faire le concurrent direct de Magenta, le premier en tout cas, le Tiga Sport face à Lossi. On rappelle qu'il y aura 22 journées hein, dans cette saison Super League, qu'on en est à la 8e. Ouais, le tiers du championnat qui sera dépassé aujourd'hui. Déjà, John. Alors que courant août, on sera davantage sur la Coupe de Calédonie. Premier ballon, mal maîtrisé par Ali Samadi. Et puis cette bataille qui s'annonce passionnante pour le titre parce que Yengen aussi a montré encore le week-end dernier qu'il faudra compter sur eux et forcément se qualifier en Champions League, c'est emmagasiner de la confiance. Alors que Tiga, bah, pour l'instant, a 4 points d'avance sur Yengen. Voilà. Ah oui, là, il y a... il y a un petit peu. C'est clair que Yengen est dans l'expérience de tout ça. Donc ils vont pouvoir engranger pas mal de matchs. Et puis garder une rigueur assez constante. Et Tiga, bah, il va falloir apprendre comme l'a fait Nedjehu lundi dernier. Et c'est pas fini. Attention. Le but de Magenta est arrivé par là. Presque à ce même point. On va voir qui c'est qui va prendre ce ballon. David Pouya. Allez, c'est peut-être non. Dans ce dernier quart d'heure et ce coup de pied arrêté qu'il va falloir aller égaliser pour la JS. C'est tiré, c'était bien fait. Ah, cette reprise de l'extérieur de Yorick. Yorick magnifique. Ouais. Superbe geste, une aile de pigeon. Ouais. On va le revoir. Et ça a failli surprendre Oulil, heureusement. Ah, c'était intéressant ce coup franc. Tiré très tendu à mi-hauteur. Et ça repart. On était tout proche d'une égalisation. Et petite alerte hein, quand même sur le but d'Oulil. Alors que les projecteurs sont en train d'être allumés. Stade Noumadélé. C'est marrant parce qu'il... Le bloc est bas, mais c'est Magenta qui recule. Ouais, après, il va falloir voir si dans le dernier quart d'heure, on passe pas sur un pressing. Ah, je sais côté pas. Bako. Ouais, il faut et la faute évidente, on l'a vu d'ici. Ouais, ouais. On est rentré dans ce dernier quart d'heure, John. Et toujours pas de changement du côté de... Du côté de Bako, un peu de fraîcheur. Hormis Stéphane Miss, c'est vrai, rentré très tôt dans ce match. Ouais. C'est un petit peu de fraîcheur, on a... C'est bien fait ça. Allez, il faut y aller. Il faut exploser maintenant et jouer simple surtout. C'est cette simplicité qui manque encore, mais voilà. Ce qui n'a pas été fait et ballon rendu à l'adversaire. Hein. Wakanomune est bien fait de la tête. On le voit de l'autre côté, il n'a plus dû Tagawa. Interception, Yekawe, Tagawa justement. Bien fait ce ballon avec Mi. C'est retourné. Tagawa à nouveau.
Ça va être dur et superbe retour de Taouvama. Ouais, c'est un très très bon match, oui. Taouvama. Buteur et surtout comme... Il a une action de but son aussi. Son rôle le veut, il joue simple et il est là, la récupération. Et une action de but ouais. Également. Comme tu le dis. Ouais, avec la petite manchette de là. Attention, attention. C'est ça, là, Tagawa, on ne le voit pas encore, là, ouais, il est fatigué. Ah, il a, tout il a bien couru, il a bien donné. Défensivement, il a fait son boulot. Il était dans l'axe, maintenant il est passé à gauche. Il faut de la fraîcheur, des deux côtés. Un peu plus de fraîcheur. Wallon. Attention. Et la belle couverture de Laisse ah, c'est l'erreur. Il faut lui parler. Et du jus aussi, hein. Ashley, on a pour Apoé. Voilà, ah. Jean-Marc Onemoi qui appelle, qui se tourne vers son banc, donc il devrait y avoir un changement. Je pose la question. Ouais. Après, c'est lui qui connaît mieux son groupe. Faute sur Samadi. Wojoka qui a été beaucoup plus bas dans cette seconde période. Oui. Qui a gardé son rôle presque. Mais le terrain, il est lourd, il est. Le temps, il est. Je sais pas. Allez, Jean-Christ Wojoka. On le voit, hein, il glisse. Ça glisse. Hein. Il fait que de glisse. Surtout, ils ont que des moulets. C'est bien défendu. Par contre, c'est pour les équipes qui vont arriver après. Il n'y a personne pour remettre le terrain en état. On voit toutes les mottes là. Il va falloir que les joueurs le fassent eux-mêmes. J'ai l'impression qu'on est passé à 4 derrière côté Magenta. Ouais, on voit ça. Gros quad. Et Jean-Chris latéral droit. Oui, c'est ça. Hein. Ah, ouais, ils sont passés à 4, ouais, voilà, on le voit. Jouka qui a fait redescendre Jean-Chris et qui donc passe à 4. Ouais. Ouais, sinon, ça ferait trop Camisa qu'il est rentré. On a déjà. Alors qu'il y a un double changement. L'entrée d'Alexandre Dijou. Et puis celle également. C'est Yorick qui sort. Non, c'est ah, les trois. Vujo, il me semble. Ah, c'est bien. La fraîcheur de partout. Triple changement. Oui, c'est ça. Trois changements. Yorick qui sort, Daniel Tagawa qui sort et David Pouya, je crois. Patedja Wabealo aussi. Non, c'est Poitili. Voilà. Et puis côté Magenta, dernier remplacement. Gaël Bolo qui rentre, place de Wadrawan. Il reste 10 minutes. Tout petit peu moins dans ce temps réglementaire. Et Magenta qui mène toujours d'un petit but. Attention, pas se faire rejoindre et à pas donner ce genre de ballon par exemple. Avec Pouya, complique le jeu, dommage. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec le ballon. C'est... Ouais, il cherchait. Mis dans l'axe. Attention, parce que là, je crois qu'il va la tenter. Il est bien parti pour frapper droit au but, là. Ah ouais. Bon, elle est bien Roberto à 35 mètres, là. Carlos. À peu près, ouais. Va-t-il la tenter, Stéphane Mi? Ah ouais, il va la tenter. Hein. Ouais, le ballon, il fuse pas. Alors la piquer derrière cette ligne de la défense. Voilà. Et il tente avec son rebond. Bien fusé, ça, bien joué, ça. Et il a raison. C'est ça, Stéphane. Chercher le rebond. Il a entièrement raison.
Le rebond juste devant le gardien, c'est toujours délicat. Avec là, là, elle replonge, bam, et là, il ne sait pas quoi faire. C'est terrain gras, là. D'habitude, elle part bas, et là, elle a sauté un peu. Et Pouya. Second poteau, c'est donné, ça, pour un gardien comme Mika Oulil. Et la relance derrière avec un très long ballon vers Wegené au duel. Et il a pris le dessus, Germain. Et Wegené qui mystifie son défenseur. Et Wegené, le doublé. Et voilà. Il est de retour, le buteur, ouais, Germain et Wegené. Et ben toi qui posais la question si aujourd'hui il allait marquer, et ben il en met deux. Ah ben en avant-match, il me disait qu'il avait forcément... envie de trouver le chemin des filets, retrouver le chemin des filets pour aider encore un peu plus son équipe. Voilà qui est fait sur cette longue, très longue relance d'Oulil. C'est match géré à deux là. Et puis après, il mystifie de vitesse là, oui. Ouais, après, allez, Wegené est de retour, clairement. Et surtout, ça va lui faire du bien hein, pour la confiance, Germain. Et surtout, eh ben, il permet aux siens de breaker et de faire le plus dur. Voilà, de prendre l'air un peu et puis de... Dans cette fin de match, c'est sûr que... De se reposer un peu parce que depuis tout à l'heure, ils sont, savent pas trop comment le match... Quelle sera la tournure du match. Ils ont envoyé des actions de Bako qui pouvaient être dangereuses pour Magenta. Mais là, je pense avec la fatigue... Ah, ça va être dur pour la JS. Ça va être difficile pour la JS, là, on le voit. Hein, c'est... qui s'est fait piéger sur un corner offensif en sa faveur. C'est ça. Malheureux, mais la vitesse de Germain aussi a fait la différence. Et là... Et la belle intervention et belle relance aussi de Mika Oulil. Super balance. Allez, il faut aller avec lui. Allez, encore tout petit peu de temps pour y croire. Magenta qui est bien parti pour s'offrir... quatrième victoire et dixième but inscrit avec ce doublé de Germain et Wegené. Ça fait du bien aussi à la confiance. Ouais. Ah. Et coup franc, bien placé là encore. C'est ce qui a amené tout à l'heure l'égalisation. Donc pourquoi pas revenir au score sur un nouveau coup de pied arrêté aux abords de la surface. C'est Woodson Promeno là, qui a pris le ballon. Donc un coup franc très intéressant pour pourquoi pas revenir dans cette rencontre pour Bako. Avec Poimeno, 16-50, la combinaison avec cette frappe complètement ratée, c'est pas fini. Oh là là. Ouais, c'est... Il avait le pied chaud, David Pouya, tout à l'heure. Il joue qui avait mis s'est raté là complet. Ouais. C'est dommage parce que le c'était intéressant la combinaison, mais ouais. Du coup il était trop sur le ballon. Ouais. Alexandre Dijoux. Et donc ce matelas d'avance de deux buts toujours pour. La SM. Poimeno qui lâche rien. Et il est encore là. Et on revoit cette action. Ouais. Ah, c'est dur, forcément. Ils espéraient maintenir l'espoir et en difficulté cette équipe de Magenta. Puis c'est vrai que ce but de Germain a tué un peu le suspense. Alors que ce petit pont s'est bien fait. On joue depuis 86 minutes et que. On cherchait un pénalty. On cherchait un pénalty de la part de Swanmi. On revoit. Petit pointu, ah, c'est bien fait David Pouya, surtout bien fait et efficace avec Stéphanie qui s'est un peu jeté. Ouais.
Jean-Marc, on est moins à l'image. Et donc Bako qui, pour l'instant... Ah, tu parlais tout à l'heure qu'ils allaient sortir, aller presser un peu plus haut. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, bah là, il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre, il y a 3-1, mais... Mais attention que le score ne s'aggrave pas. On rappelle que si toutefois à la fin de saison deux équipes sont à égalité de points, ça se joue au goal average particulier. Okay. Ah d'accord, au goal average particulier. Ce qui a tout son sens au moment de faire les comptes et les décomptes. Et Bako la semaine prochaine qui sera opposé à l'OSI. Quand on verra juste après. Voilà, le Citiga, c'est dans la foulée, donc restez bien avec nous sur nos antennes, sur la chaîne Pacific Plus. Et pour celles et ceux qui sont sur le web, la FCF TV Web. Puis côté Magenta, un choc important la semaine prochaine face à Dumbéa. Deux équipes qui sont avant cette... huitième journée, coude à coude, à 18 points chacune. Alors que Wadjoka, sa véritable déboulée, Jean-Christ Wadjoka. Ce beau centre en retrait. Samadi temporise. Et il revient dehors jeu. Ouais. Mal joué ça de la part de Samadi. Donc voilà, pour l'instant Magenta qui passe à 22 points. On va attendre aussi le score de Dumbéa face à Mandor. Bako qui va certainement donc subir un huitième revers de rang, mais il faudra rester sur le positif. Ouais. Car vraiment, il y a eu du mieux, un peu plus de constance et de rigueur défensive, et c'est dans... C'est dans ce sens-là qu'il va falloir travailler côté nordiste. Ça, et puis travailler physiquement aussi pour pouvoir tenir jusqu'à la 90e. Là, ils ont tenu jusqu'à l'heure de jeu. Voilà. Pour garder cette rigueur défensive jusqu'à la dernière minute. En tout cas, il y a eu une belle progression de la part des joueurs de la GS Bako sur ce point-là, cette animation défensive. Attention à ces ballons. Même si, perdu. Bref, si offensivement ça, il y a encore beaucoup de déchets, mais. Allez, on va rentrer dans ce temps additionnel ou temps de jeu perdu. Voilà, comme le terme arbitral des lois du jeu le veulent. Et le dernier changement, il est là, avec l'entrée de Vujo. Ouais, en tout cas, Bako va s'incliner pour la huitième fois de rang. Et puis, Magenta met un peu la pression sur ces équipes-là qui étaient à 18 points, à savoir Dumbéa et Rwanono. Et encore Wadjoka là sur son côté. Frappe hors cadre. Ouais, il y a beaucoup de travail encore à faire du côté de la GS Bako parce que c'est clair, ils s'asphyxient parce qu'ils perdent rapidement le ballon. Donc ils se retrouvent à chaque fois en situation défensive, même s'ils l'ont bien travaillé. Après, bah, il faut recourir après le ballon, redéfendre. Et quand on le repère aussitôt, bah, il faut recourir pour redéfendre. Et ça, bah, faut être prêt physiquement pour pouvoir encaisser tout ça. Ce bon ballon. Avec dernière peut-être une des dernières offensives côté JS. C'est enrayé par la défense de. Ça c'est parti, Germain. Magenta, belle intervention de Wakanomune. Point Meno. Cherché devant Stéphane Mi.
Ah, restez bien avec nous. Donc, l'Ossitiga à venir. L'Ossi, la jeune équipe de l'ASL qui va essayer d'aller faire chuter ce leader Tiga de Léo Lopez qui, pour l'instant, impressionne en ce début de saison. On n'est plus dans le début de saison. L'Ossi, comme Tiga, qu'on fait tomber Magenta. Effectivement. Donc après, derrière, il y a une irrégularité de la part des joueurs de l'Ossi, alors que de Tiga Sport, ils sont à 7 matchs, 6 victoires. Bien fait ça, Dijoux. Claroui qui a reculé en défense sur cette fin de match. Attention, attention. Où Lille battu dans les airs. Ouais. Il y avait faute, mais de toute façon, il s'était repris à deux fois. Le gardien de l'ASM, on revoit. Voilà, ralenti. Elle est costaud, hein. Stéphane Mie aussi dans les airs. Il fallait aller le chercher ce ballon. C'est pas forcément une faute. On va forcément aussi aller à la pêche aux infoscores entre les deux matchs. Essayer de voir un peu ce qui se passe et ce qui est en train de se passer sur les autres stades. Il faut se parler, et il est encore là. Wadjoka, lui, encore du carburant. Hein. Et c'est aussi Ashlen pour Apoué qui aurait été une désatisfaction aujourd'hui côté Bako. Il a bien tenu. Attention, pas prendre de risque. Mali. Et voilà. Fin de cette rencontre. Jaune avec une victoire. Malgré tout logique hein, de Magenta qui aura longtemps buté sur ce bloc bas de Bako, mais Magenta n'a pas non plus paniqué durant ces phases, ces temps de jeu où ils n'arrivent pas à créer le déséquilibre, notamment dans les derniers mètres. Ouais, ça a été difficile pour eux d'avoir une animation offensive vraiment efficace. De l'autre côté, on a vu quand même une défense de la JS Bako qui était en place, qui avait une certaine rigueur. Et puis il va falloir travailler parce que ça n'a pas suffi. Mais en tout cas, le principal a été fait pour Magenta, la victoire, pour se rapprocher du premier. Oui, effectivement. Puis, et puis réduire l'écart. Le boulot a été fait, comme tu dis. En tout cas, Bako va devoir rester sur cette prestation, notamment défensivement, où on le disait, on l'a répété, il y a eu du mieux. Il va falloir continuer à travailler. Côté de la JS, on va revoir les moments forts de cette rencontre. Ouais. On peut l'envoyer. Pierre Wadjoka et Wilson Poimeno qui se sont bien connus puisque Wilson a joué aussi du côté de l'ASM de nombreuses années. Et on revoit donc ses actions et ses buts de cette rencontre avec Magenta qui aura longtemps buté, on le disait, sur la défense de la JS. Daniel Tagawa, qui aura été assez actif devant. Et qui aura été le premier à se mettre en évidence dans cette rencontre. Cette frappe de Wadjawan. Wadjawan qui n'a pas marqué aujourd'hui. Et puis cette faute, John, sur une perte de balle. Qui occasionne un coup franc excentré. Et l'ouverture du score. Ezekiel Taouvama. Il est intéressant, Radjo, aussi, sur ses coups francs excentrés. C'est important, hein, John, d'avoir un joueur comme ça aussi, un football moderne, qui peut distiller les caviars sur, sur ses coups de pied arrêtés. C'est clair qu'il faut un garçon comme ça pour... Et Pouya aussi, qui s'est illustré. Voilà. De quelle belle manière. De caviar. Être prêt à ce coup de pied arrêté. Voilà. Quel arrêt, quel coup franc et cette tête de l'opportuniste Wilson Poimeno, le capitaine. Ils sont tous là, hein, parce qu'il a mis 3 dans le mur, les deux Magenta. Mais voilà, bien joué de la part des joueurs de la JS Bako. Ouais, qui égalisait et Bako qui sera revenu au score et qui aura maintenu ce score sur toute la première, la fin de première période. La petite manchette là, je crois. Non. Avec un Poumalila qui s'était fait peur. Et ouais, c'est vrai que Magenta a eu aussi pas mal d'actions avec Aewogene qui aura longtemps couru après ce but.
Il aura mis, je le disais, 7 journées et demie. Germain. Et là, c'était la belle parade de Poumali du bout des gants. Ouais. C'est toujours le Taouvama là qui. Un bon jeu de tête. Ouais, en tout cas, ça faisait un but partout dans cette première mi-temps. Première période. Alors que Bako, bah, le savait, ça allait être aussi difficile physiquement en seconde, John. Et voilà, ça s'est confirmé, c'est qu'au fil des minutes, ouais, physiquement, ça a été difficile quand même pour les nordistes qui ont tenu, mais s'offrant aussi, notamment celle-là, sacrée contre-attaque. C'est mal négocié, fort heureusement, j'ai envie de dire, pour Magenta, parce que là, il y avait une énorme occasion. En 2 contre 1 sur cette transition offensive. Par la JS Bako. Et voilà le but. Et là le but derrière. Aeroquad qui fait la différence et qui trouve parfaitement dans l'axe. Germain et Wegené. Qui ouvrait là son compteur but dans cette Super League 2022. Et tu le disais, John, bah Bako a de fur et à mesure, au fil des minutes, souffert hein, vraiment. Oui. Quel arrêt aussi de Poumali. Après ce dégagement, bah finalement, ils ont fini par rompre cette défense. Les dernières minutes, et voilà. Allez, Wegené, tout en vitesse pour un doublé. 3-1 et deux buts au compteur pour Germain. Allez, Wegené. Ah, John, c'est important pour l'ASM de s'offrir les 4 points de la victoire. Bah, c'est clair que pour rester au contact de Tigasport, faut prendre tous les points possibles. Exactement. En tout cas, on va se laisser là-dessus sur cette rencontre. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde rencontre de la journée, de cette 8e journée ici à Noumadélé, avec ce derby du Sud Lifou entre l'AS Lossi et le leader Tigasport. Restez bien sur nos antennes et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure.